I'd like to speak about Ma. Parler de moi. But not of me. En même temps, ce sont mes souvenirs. But these are my memories. J'ai rencontré Ma Anandamayi. J'ai eu le premier darshan de Ma. I had Ma, I had her first darshan. En 1959. In 1959. For a Westerner. Plus facile de l'approcher, beaucoup plus que ça ne l'a été plus tard. Much easier to get close to her than later on. Que Ma, avec une apparence humaine. With Ma, with a human appearance. Était visiblement plus qu'un être humain. Was very visibly much more than a human being. Ne pouvait pas ressentir, c'est un être humain qui a atteint l'éveil, la sagesse. One could not feel, oh, it's a human being that's become enlightened. Donc comme des centaines, des milliers d'autres personnes. So, like hundreds and thousands of others. Hindous de toutes les couches de la société. Hindus of all classes. Étrangers. Foreigners. Je vous dirais, c'est inoubliable. It's unforgettable. Incomparable avec quels que puissent être les autres souvenirs les plus grands, les plus profonds. Incomparable with any other memories, the biggest to the most profound. En 1959, j'étais parti pour l'Inde avec l'idée de tourner des films avec mes propres moyens pour montrer que c'était possible. In 1959, I went to India to make some movies with my own means because I wanted to show this was possible. Je travaillais là. J'étais réalisateur, sous l'appelant réalisateur en français, film director à la télévision française. I was film director on the French television. Et j'avais compris que pour tourner un certain type de film que je n'avais jamais réussi à voir. And I understood that to turn a certain kind of movie that I'd never been able to see. Qui montrerait vraiment ce qu'il y a de plus profond et de plus précieux en Inde. To show really what's most profound and most precious in India. Et ce qui serait le plus susceptible de toucher un public occidental. And what would be most susceptible to touch a Western public. Au-delà de l'exotisme. Above and beyond exoticism. J'avais compris des films comme ça, que je rêvais de voir et que je n'avais jamais vu. I understood about movies like that, that I was dreaming of seeing, but that I had never seen. Il faut les tourner seul. One must turn them alone. Et pas avec une équipe, même une équipe réduite. Not with a team, not even a reduced team. En vivant complètement là où je souhaitais filmer. And to live completely there where I wanted to film. Rejoint depuis la j'avais fait tout le trajet depuis la France jusqu'en Inde en voiture automobile. I had traveled from France to India completely by car. Mon épouse m'a rejoint à Bombay. My wife joined me in Bombay. Et nous avons décidé de... Je l'avais attendu pour ça. I waited for her for this and we decided de rencontrer cette Ma Anandamayi. To meet Ma Anandamayi. Dont le visage nous avait tant frappé. Whose face had so much touched us. Sur les quelques rares photos qui existaient d'elle en Europe à l'époque. On the very few pictures that existed of her in Europe at the time. Et notamment une photographie pleine page dans un livre sur l'Inde de Richard Lanoy. And so, particularly in this book by Richard Lanoy, there was a full page picture of Ma in there. J'avais ouvert le livre. Cette double page, mais sur la gauche, c'était le close-up, le portrait de Ma. I opened the book. There was a double page of pictures. On the left, there was a close-up of Ma. Et je ne l'ai jamais fermé.
And I've never since closed it. I've left it open to have the pictures under my eyes. Donc nous avons pris la route depuis Bombay. So we took the road from Bombay. Persuadé que Ma était forcément à Benares. Et nous sommes arrivés tout à fait en fin de journée. And we arrived at the end of the day. À Benares. In Benares. Il a fallu trouver le quartier de Badaini. We had to find the quarter of Badaini. Abandonner la voiture. Abandon the car. Qui ne pouvait pas prendre ces petites ruelles. Unable to take the little roads where the rickshaws can go, 1,000 rickshaws. Et prendre une de ces ruelles. Voilà, Shri Ma Anandamayi Ashram. At the end of one of those small streets, Shri Ma Anandamayi Ashram. Nous étions un peu fatigués par le kilomètres de route. We were tired by the so many kilometers of road. Sur les routes indiennes de l'époque. On the Indian roads of that time. On nous fait monter au premier étage de l'ashram de Varanasi. So we go on the second floor of the ashram of Varanasi. Mais beaucoup de monde, beaucoup de monde. Lots of people, lots of people. Une puja très bruyante. A very noisy puja. Et tout d'un coup, nous avons su ensuite que cette dame était la Maharani de Mandi. And all of a sudden, and we found out afterwards that this woman was the Maharani of Mandi. Et le Raja de Mandi et elle étaient de grandes devotees de Ma. And the Raja of Mandi and her were great devotees of Ma. Et elle nous dit, mother, mother. And she says, mother, mother. À ce moment-là, and at that moment, I saw arriver une personne en blanc, saw someone in white. Était défait là, puisque très souvent ils étaient en chignon. Her hairs were undone on that day. Avoir rêvé pendant plusieurs années. And after having dreamed for many years. Et là, c'était plus une photo. And that this was no longer a picture. Avec la fatigue du voyage, le bruit de la puja. With the tiredness of the journey and the noise of the puja. Alors que j'avais déjà acquis en Inde la familiarité avec le pranam. Even though I had in India already gained familiarity with the pranam, je suis tombé à genoux. I fell to my knees. Et puis, c'est des souvenirs qui ne peuvent pas vieillir. These are memories that never get old. Et nous sommes allés dans un hôtel. Pas très loin. We went to a hotel not far away. Pas du tout un grand hôtel pour touristes. Not at all a big hotel for tourists. Et le lendemain matin, nous sommes revenus. And the next morning, we came back. Très peu de monde. Very few people. Avec une petite plateforme. With a small platform. Pièce de tissu blanc. With a piece of white cloth. Et Ma. There was Ma. Et là, je peux dire. And there I can say. Ça a été le jour le plus important de toute mon existence. And then I can say this was the day the most important of my whole existence. Une parole que je connaissais, de la tradition chrétienne. A word that I knew from the Christian tradition. S'est imposée à moi. Imposed itself to me. Nous avons vu et nous avons cru. We saw and we believed. J'ai eu. Je m'excuse de dire je. I'm sorry to keep saying I. La preuve. The proof.
indiscutable, that cannot be discussed, à tout jamais, forever, que la réalité spirituelle, that spiritual reality, transcendante, transcendental, métaphysique, metaphysical, était réelle, was real. Plus rien n'a pu jamais me faire douter. Nothing ever since has been capable of making me doubt. Les enseignements spirituels disent vrai. Spiritual teachings are true. Alors là, je dirais des paroles fort peu orthodoxes. Now I would say a few pour un words chrétien. That are not very orthodox for a Christian. En voyant Ma, seeing Ma, et c'était simple en plus. It was so simple. J'ai vu Dieu. I saw God. Comme certains il y a 2000 ans, voyant Jésus de Nazareth, ont vu Dieu. Like a few 2000 years ago, when they saw Jesus of Nazareth, they saw God. Il y a eu d'autres dates importantes dans l'histoire de mon cheminement spirituel. There have been other important dates in the history of my spiritual path. Mais d'un point de vue, ça a été la plus importante de toutes. But from a certain point of view, it was the most important of all. Je n'ai plus jamais douté. I've never since doubted. Même quand j'ai été plus ou moins perdu. Even when I was more or less lost. Que l'existence avait un sens précis. That existence had a precise sense. Se rapprocher. Getting nearer. Le plus possible. As much as possible. De cette réalité. Of this reality. Dont Ma était le vivant témoignage. Of which Ma was the living witness. Alors là, nous avons passé quelques temps à Benares. So then we spent some time in Benares. Avec un émerveillement qui ne se démentait pas. We were just marveled, and this never stopped. Et puis nous avons suivi Ma à Vindhyachan. And then we followed Ma to Vindhyachan. Il y avait donc le photographe anglais Richard Lanoy. Richard Lanoy was with us. C'était encore plus intime. It was even more intimate. Et aussi bien pour ma première épouse que pour moi-même. As much for my first wife as for myself. Il y a eu un avant et un après. There was a before and after. Et Ma a donné l'autorisation que je puisse la filmer. And Ma agreed that I film her. Paraît-il que jusque-là, elle n'avait pas donné cette autorisation, en tout cas jamais occidental. It seems until then she had not given agreement for filming, at least not to a Westerner. Ce film complété par des images tournées dans différents endroits en Inde. That film completed by other images from other places in India. Et passé en première partie de soirée à la télévision de l'époque. Passed in the first part of the evening on the television of that time. Il y avait un seul, comment on dit, channel, une seule chaîne. There was only one channel. Et il y a eu un grand impact. And it was a very, very great impact. Un écrivain français très célèbre. A very famous French writer, François Mauriac, a écrit dans un hebdomadaire, l'Express, wrote in a daily paper, The Express, un article appelé Le miracle de la télévision, an article called The Miracle of Television, a nourri mes méditations de cette semaine. That movie nourished my meditations of this week. En ce sens, in that sense, Ma, qui a tant fait pour tant de personnes, who
who did so much for so many people, m'avait fait un immense cadeau. Made me a very, very big present. Parce que c'est ça qui a ouvert la porte à la possibilité de faire avec des moyens plus importants. That opened the door with more important means. D'autres films. Other movies. À partir de là, nous n'avions qu'un désir, c'était de retourner en Inde. From that point, we had only one desire: return to India. Financer ces voyages avec des tournages de films. Finance these trips with these movies. Donc nous sommes retournés en Inde. Went back to India. En 1960-61. In 1960-61. Pour des séjours d'un mois, un mois et demi. For stays of a month and a half. Dans un, je me souviens, un minibus Volkswagen. In a minibus Volkswagen. Dans lequel on pouvait coucher. In which one could live and sleep. And also at that time. Peu d'occidentaux. There were still few Westerners. Pas de curieux. And certainly not curious ones. Quelques occidentaux qui avaient une réelle ferveur pour Ma. And a few Westerners that had a real calling for Ma. Et qui venaient passer quelque temps. And who came stay a certain amount of time. Donc on avait encore la possibilité. So it was still possible for us de suivre Ma quand elle se retirait. To follow Ma when she went into retreat. Elle avait dit qu'on pouvait donner son adresse. She said we could have her address. Alors là, ce sont évidemment des souvenirs très forts parce que these are very strong memories. Quelques swamis peu nombreux et quelques jeunes filles pour prendre soin d'elles. Because besides a few swamis, not very many, and some young girls who were taking care of her, il y avait très peu de monde. There were very few people. J'ai des souvenirs d'avoir été dans la chambre de Ma. I have memories of having been in Ma's room. Où on était 4, 5. We were just 4 or 5. Ce sont des souvenirs. But these are the memories. D'une telle intensité. And with such intensity. C'est de telles répercussions ensuite. And so many consequences afterwards. Pour toute une existence. For a whole existence. For et an entire toute une sadhana. And for an entire sadhana. De temps, whenever I had more time. J'allais auprès de Ma. I always went to see Ma. Notamment avec l'idée, est-ce que je peux rendre service? With the idea, can I serve in any way? Notamment encore en 67. And still in 1967. Où j'étais nouveau en voiture. I was again in car. Et où j'avais déjà rencontré Swami Prajnanpad. I'd already met Swami Prajnanpad. J'ai beaucoup servi de chauffeur pour l'ashram. And I was the ashram chauffeur a lot. J'avais une grosse Land Rover et I had a big Land Rover. Accompagner des swamis pour chercher des caisses, des provisions. Voilà, I brought swamis here and there to fetch provisions and things like that. Que de la gratitude. And I had only gratitude. Que de la gratitude. Yes. Ma, je voulais plus rien lui demander. And I didn't want to ask her anything more. Et Dieu sait si j'avais mendié. And I can say that I really asked and begged a lot before. But now I want to give back, to give back. What can I do to serve Ma? Ce qui est certain, c'est que ce genre de rencontre. What is certain is this kind of encounter. Tout le monde, tous ceux qui ont approché Ma peuvent comprendre ce que je veux dire. And everything that came close to Ma will understand what I'm talking about. Ça ne se passe pas au niveau habituel. It doesn't happen at the same level, usual level. Donc ça ne s'inscrit pas dans le même type de mémoire. And so it doesn't imprint itself in the same kind of memory. Beaucoup de souvenirs de cette époque, c'est loin, loin. There are very many memories of that time that are just so far away now. Mais tous les souvenirs de Ma. But all the memories
of Ma. C'est comme si c'était la semaine dernière. It's like if it was last week. Absolument. Plus, c'est maintenant. It's like even now. Ayez pitié de moi, posez-moi des questions. Spare me, ask me some questions. What was the relationship between Swami Prajnanpad and Ma? Did he know Ma? En tant que Bengali, as a Bengali, Swami Prajnanpad avait entendu parler de Ma. He had heard about Ma. Mais il ne l'avait pas rencontrée. But he had not met her. Alors là, je peux évoquer un souvenir. But I can again talk about a memory. Premier entretien avec ce Swami. First interview, first dialogue with the Swami. Il se trouve que par deux autres Français qu'il avait rencontrés, il avait entendu parler d'un grand devotee de Ma Anandamayi qui était Arnaud. Through other disciples, he'd heard about this devotee of Ma, which was Arnaud. Il dit alors, vous avez fait beaucoup de séjours auprès de Ma Anandamayi. So you spent a lot of time with Ma Anandamayi. Oui, Swamiji, oui, je commence. Il me dit, you have never seen Ma Anandamayi. He replies, but you've never seen Ma Anandamayi. Il parlait un anglais très compréhensif. Yes, he was speaking very comprehensible English. Yes, no, Swamiji, we'll stay with mine for another. You have never seen Ma Anandamayi. Never, never. You have seen only your Ma Anandamayi. Vous n'avez jamais vu Ma Anandamayi, vous n'avez vu que votre Ma Anandamayi. Mais Ma, après, elle se souvenait, comment elle pouvait se souvenir alors que des milliers de gens se sont confiés à elle. But afterwards, Ma always remembered, and how could she, with all these thousands of people confiding in her? Elle se souvenait quand elle revoyait que j'étais engagé auprès de Swami Prajnanpad. She remembered, whenever she saw me again, that I was committed with Swami Prajnanpad. Elle faisait allusion. She was asking some questions. Et ensuite, bon, j'ai donc continué par gratitude à retourner passer au moins quelques jours auprès de Ma pour essayer de servir. So, with the force of gratitude, I continued to go and see Ma regularly. Et après la mort de Swami Prajnanpad, and after the death of Swami Prajnanpad, en 74, in 74, nous avons continué. Notre fille qui n'avait plus 4 ans et demi. We continued. Our daughter was no longer 4.5 years old. 16 ans, 18 ans. 16, 18. Nous avons continué à aller chaque année passer quelques jours auprès de Ma. We continued to spend to go to see Ma every year for a few days. Presque jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde. Almost till she left this world. Et Ma savait. And Ma knew. Et c'était Swami Bhaskarananda qui avait traduit. And Swami Bhaskarananda had translated. Que j'allais quitter mes activités de tourner des films. That I was going to cease making movies. Avec l'accord, les directives de Swami Prajnanpad. With the agreement and the directives of Swami Prajnanpad. Fonder un petit lieu spirituel en Auvergne. To found a small spiritual place in Auvergne. Oh là là, alors là, c'était beaucoup plus difficile d'approcher Ma, elle était plus âgée, un Européen ne pouvait plus rentrer dans sa chambre et s'asseoir. At that time, it was much more difficult to get close to Ma, because a European couldn't just go to her room and sit down. Mais elle a aussi bien donné... Elle m'a fait un don, un cadeau. She made me a gift, a present.
très précieux. Very, very precious. Et que j'ai senti comme une, comme elle était informée donc de cette nouvelle activité, je l'ai senti comme sa bénédiction. I felt that she was informed of this new activity, and I felt that she gave me her blessing. Pour ce nouveau lieu. For this new place. Je dois dire qu'il y a eu beaucoup de vicissitudes depuis 35 ans. So in 35 years, there's been a certain amount of turmoil. Je me suis toujours senti porté par la relation. But I've always felt uplifted by the relationship. Qui n'est pas un souvenir qui est présent ici. And in fact, it's not a memory. It's just something that's present here now. Alors on avait une conversation de haut niveau avec Swami Vijayananda. So we had had a discussion of a very high level with Swami Vijayananda. Qui est le gourou d'Arnaud? Who is Arnaud's guru? Est-ce que c'est Ma ou est-ce que c'est Swami Prajnanpad? Is it Ma or is it Swami Prajnanpad? Alors nous sommes arrivés à la conclusion. We concluded que c'était Ma. That it was Ma. Mais que elle s'était exprimée à travers. But she had expressed herself. Quand même, un Brahman Bengali. A Bengali Brahman. Voilà. Mais qui avait une formation scientifique, qui avait had a scientific training. Bon, l'Occident et. Who understood the West. Pour moi, il n'y a jamais eu de choix, de contradiction. There was never the idea of a choice or a contradiction. C'est vraiment une mémoire particulière. It's a very, very special memory. Je vais employer un mot un peu solennel, mais qui est vraiment dans l'éternel présent. A solennel phrase, but it's the present eternal, the eternal present. À n'importe quel moment, je. Ça fait même pas une grande différence. Bien sûr, si Ma était encore présente physiquement, même plus âgée qu'autrefois, j'irais en Inde, je ferais le voyage. So, of course, if Ma was still alive, even much older, I would, without hesitation, go see her in India. Et ce que je ressentais en face d'elle, what I felt when I was in front of her, c'est tout le temps. It's all the time. Tout le temps là. All the time here, c'est tout there. Le temps. Il suffit de me souvenir de Ma. I just need to remember Ma. What's so astonishing, so many people qui ont des souvenirs personnels, très intimes, that have very personal, very intimate memories, alors que des centaines, des milliers de gens gravitaient autour de Ma. There were hundreds and hundreds of thousands of people around Ma. La relation la plus riche avec Ma, the richest relationship with Ma, c'était en me mettant, c'était à l'ashram de Delhi, qui était dans la banlieue sud de Delhi. It was at the ashram that was in the southern part of Delhi. Où elle était pas très rarement. She was there very rarely. Il y avait beaucoup de monde, parce que beaucoup de fonctionnaires internationaux, l'ambassade, etc., de Delhi, there were many people. Pas pris la peine d'aller à Nemicharanya. Venez. The people voilà, there locally voir came. Voir la sainte célèbre. See the famous saint. Et là, je. Donc, toute la journée, je faisais de. Le chauffeur. And all day long, I was acting as chauffeur. Donc, j'étais pas comme autrefois, arrivé 3 heures en avance pour être au premier rang. So it was not like before where I came 3 hours ahead just to be in the first row. Et je rentrais tard le soir et I came back home late at night.
And I was totally fulfilled. Mais pas complet de pouvoir être utile. But not fulfilled of just having been useful. Comblé parce que je sentais la relation avec Ma à un niveau beaucoup plus profond. But fulfilled because I felt the relationship with Ma at a much deeper level. Et qui peu à peu n'a plus jamais bougé, même yeah. après, disons le mot, dit après sa mort. And it's never moved, even after, well, let's say the word after her death. Et puis, donc il n'y avait plus de mendicité. There was no longer any begging. Et je me souviens un soir, je rentre. I remember an evening, I'm coming home. La Land Rover était garée en dehors de l'enceinte de l'ashram. The Land Rover was parked outside of the ashram. Et je m'aperçois qu'il y a encore de la lumière dans le hall. And I see there's still light in the hall. Je dis, ben, je vais aller tout au fond. I will go on pouvait rentrer par le fond. I je vais aller very tout au fond, end. Faire un pranam de gratitude. I will go at the very end and do a pranam of gratitude. Et à ce moment-là, il s'est passé une chose complètement inattendue. And something happened totally unexpected. Ma a fait quelque chose, en tout cas pour moi, très inhabituel. She did something that, as far as I was concerned, was totally unusual. Au moment où je rentre, the moment I come in, de loin elle me voit. Comme ça, far away, she sees me and she salutes me. Ça va? You're doing okay? Voilà, paf, une seconde. Just one second. Ben pour cette seconde, ça valait le coup. For that second, it was worth it. Je vais vous dire la vraie manière de parler de Ma. I will tell you the real way to speak about Ma. C'est de rester en silence. To remain silent.